Salut tout le monde, c'est Derkizae et on se retrouve pour la suite et fin de Zelda A Link to the Past. Donc on fera la tour de Ganon et le combat final. Hein. Mais avant ça, évidemment il faut se diriger là-bas, hein, ce qui est autre chose. Donc vous voyez qu'on est attaqué par des nouveaux monstres qui sont des sortes de bon, je sais pas trop ce que c'est, hein, des sortes de sphinx, de lions, je sais pas trop ce que c'est, qui font assez mal, donc prudence. Voilà, nous sommes là à la tour de Ganon, surtout ne pas tomber. Link, nous allons casser la barrière avec de la tour de Ganon avec nos pouvoirs. Et voilà, grâce au sept sages. L'affrontement final a sonné. C'est parti. Donc voilà un Ganon avec la Triforce. Alors autant vous dire que ce donjon, il est chaud. Mais vraiment. Hein. Alors lui par contre, j'en ai vraiment aucun souvenir. Le seul truc que je me rappelle, c'est qu'ici on a une autre, on aura une autre pièce d'équipement, enfin une autre, un autre niveau pour l'armure, voilà. Donc une nouvelle armure. C'est tout ce que je me rappelle. Alors vraiment le reste, je ne m'en rappelle, mais alors plus du tout. Merde. Ah putain! Crève toi. Ah non, franchement, la tour de Ganon, je me rappelle vraiment, mais alors vraiment, vraiment, vraiment plus. Et je sais qu'elle est immense. Hein. Et déjà, bon, déjà le nombre d'étages. Mais chaque étage, je crois que les salles sont assez énormes. Hop. Pour l'instant, c'est relativement facile, je dis bien pour l'instant. Oula. Alors, où est-ce qu'il m'amène celui-là? Alors là, je sais pas du tout. Hein. Ouais, c'est chaud. Ah, ok. J'arrête pas de trouver des clés, mais bon. Hein. Oh là 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 là. Ah non, mais le système téléportation, je déteste ça dans les jeux. Parce que je sais jamais lequel je dois prendre. Bon, je pense que passer par les endroits les plus chiants, ça doit être juste, à mon avis.
Ah mais là, je vous promets, je sais pas du tout ce que j'ai fait ni où je vais, hein. Je sais pas du tout. D'accord. Ouais, il semblerait qu'il y ait une sorte de... De passerelle invisible. C'est ce que je voulais dire. Ah, ok. Ouais, il y en a sûrement en avoir une, mais comment tu fais pour l'avoir, je ne sais pas. Ah bah sûrement avec ça là-bas. Mais est-ce que mon truc de feu passe à travers? Non, évidemment. Non! La grande clé! Oh putain, il me faut la clé là. Je sais pas où elle est, mais je sais pas où elle est, mais il me la faut. Ok, donc s'il donne des bombes, ça doit être pour quelque chose, à mon avis. Mais le levier, ça a quoi? Ok, plus de bombes. Oh non, putain. Mon Dieu, non! Oh non, en plus, c'est vrai, je lui. Ta, il y a la main là. Non! Putain de merde! Ah mais je suis con putain, en fait j'attends pour rien, j'avais la clé. Putain mais je suis vraiment trop con. Bon là c'est sûr par contre, faut la canne de... Enfin la baguette de feu. Vite. Vite, vite, vite. Oh putain. C'est chaud, ma truc de fou. Hop. Mais bien sûr, il passe entre les murs. Putain, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Ouais, et je fais quoi maintenant? Purée, mais ça va jamais atteindre le truc comme ça. Comment je fais? Alors là. Ah, je vois ce que je dois faire, mais comment l'atteindre, ça c'est une autre chose. Ah, d'accord. D'accord. Bon, ça commence bien. Qu'est-ce qui m'attend dans ce donjon? Mais putain, comment tu veux faire ça? Bien sûr, lui il peut passer, mais moi je peux pas, évidemment. Putain, vas-y quoi.
Allez! Oh putain, t'es sérieux là? Mais vas-y, putain de merde! C'est mal foutu, mais c'est mal foutu, mais c'est mal fait. Mais voilà, mais la bombe elle atteint jamais le truc vu qu'elle explose toujours avant. Oh putain! C'est pas vrai ça! Et voilà, encore et encore et encore, voilà. Allez, touche-moi. Putain. Ça me saoule déjà, putain. Désolé pour vous, hein, pour le micro, mais... Putain, vas-y quoi, merde. Voilà, hein, faut que je revienne à l'entrée pour que j'aille réactiver tous ces interrupteurs de merde parce que ça marche pas, voilà, c'est fini. Putain, mais ça c'est vraiment un truc qui me les casse, quoi. C'est mal foutu, c'est mal fait. Putain, sérieux quoi, hé! Mais ça marche pas parce que le temps que je tire la bombe, elle touche le sol, elle explose déjà. Ça marche pas! Ça marche, ça ne marche pas. Ah bon, ça fait chier quoi. Ah ouais, les bombes, merci. Quand même si j'en avais suffisamment pas besoin. Mais qu'est-ce qu'il y a, toi? Ouais. Faites ça à rien. Eh, bon, faut que je garde les flèches d'argent pour Ganon, parce qu'après j'en aurai plus. Eh putain, vas-y, quoi? Oh, mais t'es sérieux là? Sérieux, limite, pour limite les cœurs que j'ai, je pourrais perdre. Tellement ça me sert à rien. Mon Dieu, mais c'est quoi cette merde? Voilà. Et j'ai pas de clé, bien évidemment. Oui, et puis je fais comment pour retourner là-bas maintenant? Putain. Ah là là, ouais. Là, si vous voulez me foutre en run, c'est réussi, hein. Enfin, je sais pas, c'est un truc à la fin, mais en tout cas, je m'en fous. Putain.
Putain, c'est pas l'élixir de magie qu'il me faut, moi. En plus, ça rame, évidemment, voilà. Parce que maintenant, Rum Station ne se ferme plus. Voilà, ça rame. Ça bouffe des ressources, pour rien, merci. Voilà, tu te fais encore violer par un truc, voilà, par les pics. N'importe quoi, n'importe quoi. Ouais, puis maintenant quoi? C'est quoi la suite? C'est impossible à faire ça! C'est impossible! C'est impossible à faire ce truc! J'y arrive pas. Alors, je sais pas. Mais regardez le temps que ça prend! Je peux pas! Je peux pas! Je peux pas! Ça, je vais essayer ça, mais bon. Ça sert à rien. Je suis bloqué. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Tant le boomerang comme les bombes ne me servent strictement à rien. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Regardez. Voilà. Le temps de l'animation, c'est trop tard. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Voilà, je suis bloqué. Voilà, fini. Voilà, je peux rien faire. Voilà, c'est fini. Je peux rien faire, rien du tout. Je peux strictement rien faire. Allez, vas-y, prends-moi, de toute façon. À quoi ça sert? Je peux rien faire. Je ne peux strictement rien faire. Voilà. Voilà, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Voilà, en plus t'as les machins qui me tuent, voilà, tranquille. Oh putain, putain. Eh ben putain. On est bien parti là, on est bien parti, oh putain, ça va être génial. Voilà, évidemment. Allez, passe-moi ton cœur, toi. Non, évidemment, c'est beaucoup trop demandé. Putain, voilà pourquoi je déteste ces saloperies. Le pire, c'est qu'il me faut la grande clé, et puis si elle est en bas, je peux rien faire. Évidemment, comme toujours, c'est toujours le truc où t'es le plus éloigné qui marche. Ah, j'aime ça. Et en plus, ça lag, monstrueux, merci.
En plus avec les lasers que j'adore. Mais oui, mais je fais tout ça, mais ça me sert à rien. J'ai pas la grande clé. Ça ne me sert à rien. Voilà. Ça me sert à rien. Sans la grande clé, je peux strictement rien faire. Donc, on fait quoi? Et bon, on recommence. Et voilà. Et voilà, parce qu'un truc qui est mal foutu, tapis roulant de merde, avec les bombes, là, je peux rien faire. Et voilà, on recommence tout dans la joie et la bonne humeur. Et voilà, allez, c'est reparti pour un tour. Putain, non mais sérieusement, quoi. Avec cette fameuse super salle où je vais encore perdre 10 000 coeurs, comme toujours. Voilà, là j'ai pas de clé, évidemment. Quand j'en ai besoin d'une, j'en ai pas. Non, parce que c'est beaucoup trop demandé. Ah, évidemment, maintenant il me faut des bombes, j'en ai non plus pas. Mais normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Là, je parie que c'était pas le bon truc. Ah bah si, pour une fois. Ah mais là, je suis foutu. Je fais comment là maintenant pour passer? Voilà, sans les bombes, je suis condamné. Je peux rien faire. Voilà, je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire. À moins que je fasse ça. Ouais, bah voilà. Bon, bah. Ah, mais attends, je viens de penser à un truc. Alors, non, si c'est ça, je vais me tuer. Je me tue si c'est ce que. Si c'est ce à quoi je pense. Et le pire, c'est que je crois que j'ai raison. Alors attention, je risque de gueuler sec, hein. Si ce à quoi je pense est juste, je risque de gueuler sec. Donc je vous préviendrai, mais je vous conseille de baisser vos micros, hein. Enfin, de baisser vos écouteurs ou vos haut-parleurs ou je sais pas ce que vous écoutez, hein. Mais je vous conseille de les baisser parce que ça va gueuler à mon avis, hein. Alors, est-ce que c'est limité dans le temps? Il semblerait pas. Je dis bien, il semblerait pas. Bah, en fait, si, il semblerait. Mince. Ouais, bah, on va attendre que tout s'éteigne, c'est mieux. Ou plutôt, on ressort, on rentre. Allez, vite. Merde. Et là vous allez m'entendre gueuler parce que je crois que c'est que j'ai raison. Ah là là. Alors attendez, hein, c'est pas encore là. Ça va arriver. Attendez. Maintenant, vous pouvez. Je vous conseille de baisser le son. Putain! Et voilà, ça c'est comme ça que ça marchait. Bordel de merde. Mais
sérieux, comment tu peux savoir les... Enfin, les gars qui jouent pour la première fois, purée, ils y pensent pas à la canne de Somaria, ils pensent aux bombes. Pour leur permettre de temps de bouger pendant que la bombe explose. Alors qu'en fait, non, c'est pas ça. Non, non, alors qu'en fait, non, c'est pas ça du tout. Et puis maintenant, je fais comment moi pour passer? On va aller chercher le coffre d'à côté. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Puis quelle torture ce jeu. Mais quelle torture, mais quelle torture ce jeu. Ah bah voilà, maintenant j'ai ma petite clé pour retourner en bas. Ou même pas pour aller là. Wow, putain de merde. Oh non! Ah putain, en plus faut se dépêcher, non! Putain. Hop. Ah oui, hop, ça marche même pas. Tant pis. Vaut mieux ça que rien, je crois. Ouais. Ok. Ouais, bien sûr, ça ouvre le petit passage. Bien refermé. Oula, alors là, je le sens pas. C'est bon en fait. Mais qu'est-ce que ça va être que ce temple? Et dire que je suis encore loin de l'avoir fini. Oh oui. Bien loin. Ah oui, bon, alors là, putain. Alors là, sérieux, pour savoir, pour savoir la première fois comment ça marche, ouais, faut y aller, hein. Putain, mais là, tu peux pas savoir comment ça marche, ce truc. Sauf si tu tires au bol et que t'arrives à toucher la torche par chance. Mais tu fais quoi là? T'avances au bol et tu tues à chaque fois. Ah, parce que non mais là, non mais je fais de la merde là. Ouais, c'est chaud. Mais putain, la grande clé! Où elle est, la grande clé? Donnez-moi la grande clé, purée. Je veux la grande clé. Oh putain. Ah non, mais cette vidéo elle va durer, je suis sûr, elle va durer un temps de fou. Parce que je vais mettre 3 heures pour trouver cette grande clé. Mais un truc de malade. Ah non, mais ça, les gars, je suis désolé, hein. Vous allez en chier. Enfin, vous allez vous emmerder, je suis désolé, mais.
Ouais, j'ai envie de faire en entier le donjon et pas au bol comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ah, merci. Oui, parce que bon, avec une bombe, c'est pas terrible, hein. Voilà, faut que j'arrive à retourner à ce téléporteur maintenant. Voilà, maintenant je continue à avancer, on verra bien où ça me ramène. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon. Est-ce que la grande clé serait par là? Très très bonne question. Je ne sais pas du tout. Si tu veux. Je sais pas trop où ça me ramène tout ça. Ouais, d'accord. Et je suis sûr, encore une fois, que je me suis trompé. Ah, mais ça, j'en suis certain. Voilà, je suis sûr. Je suis sûr que je devais. Il y avait un autre chemin. Et que je me suis trompé. Ça, j'en suis sûr. Mais encore cette salle, mais. Comment? Comment je peux atteindre la torche? Je peux pas. Je ne peux pas. Soit il y a un miracle, soit je sais pas. Mais là, je n'arrive pas à l'atteindre, là, la torche. Je sais pas comment. Je sais pas comment tu veux que je l'atteigne. Que je l'atteigne, pardon. Et pourtant, ça doit être là. Ça doit être là. Mais le truc, il passe pas là. Ça qui fait chier. Oh putain. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Évidemment, là, c'est. Là, si j'y vais, je me tue. Là, je sais même pas où c'est. Oh là là! Oh non, mais je crois que je vais devoir faire une coupure et chercher moi-même, parce que j'ai pas envie de vous imposer ça, hein, sérieusement. Parce que là. Ah oui, mais là, il y a une autre salle, et je suis sûr qu'à côté, c'est la grande clé. Ou alors une petite clé, ou je ne sais pas, mais ça doit être ça, parce que je peux rien faire d'autre. Je ne peux rien faire d'autre. Ça doit forcément être quelque part là-bas. On va essayer le sort de flamme. Je doute que ça marche, mais bon. Bah, évidemment, ça ne marche pas. À part te bouffer de la magie, ça fait rien. Ouais. C'est cool. Bon, écoutez, non, je crois que je vais vraiment faire ça parce que là, j'en peux plus. Écoutez, je fais une petite pause, et je vous retrouve tout de suite après. Allez, à tout. Voilà. Alors, j'ai réussi à passer en fait. Moi, je sais pas comment j'ai réussi à toucher avec. La torche, je sais pas comment j'ai réussi à toucher le. La... J'ai réussi, je sais pas comment. Ok, on continue. Donc, dans cette salle, j'ai juste avancé. Là, il y avait juste 10 flèches.
Et donc voilà, hop, on saute. Et oh, me retrouve un premier boss. Bon, je pense qu'avec l'épée niveau 4, il ne devrait pas avoir trop de soucis. Le seul petit truc chiant, c'est qu'on est sur la glace. Sinon, je pense que je devrais pas avoir trop de problèmes. Ah, mais ça les tue tous d'un coup. Mince. Bon, c'est pas grave, toi, je te fais à l'épée. Alors, par contre, je ne sais pas où c'est la suite. Hein. J'espère que je viens pas de faire une énorme connerie. Sinon, ça me ferait un peu chier. Oh mon dieu. Bon, j'ai pris que des potions bleues, mais waouh. Bah, en fait, si, je crois que je viens de faire une grosse connerie. Oh non, je vais devoir tout refaire. Mince. Mince, 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 mince. Bon bah, y'a plus qu'à tout refaire, encore une fois. Bon, comme ça, je vais vous montrer comment je suis passé. Enfin, j'ai pas vraiment utilisé la torche en fait, j'ai utilisé un autre moyen. Bon. Vous allez voir. Oh putain, mais ça, en tout cas, ce temple là me fera suer un truc de fou. Hein. Bon, en fait, là, il y avait la carte dans cette salle là-bas. Ouais, comme il n'y a plus de clé, enfin, d'après ce que j'ai compris, il n'y a plus de clé, donc bah, je peux pas aller la prendre. Bon, bah voilà. C'est dit. Attendez, il y a peut-être de la magie. Non, il n'y en a pas. Évidemment, maintenant ça me touche tout le temps. Enfin. Donc, de nouveau, la petite série de téléporteurs. Putain, il y avait un trou là, j'avais pas vu. Oh là là. What? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Des bombes. Encore des bombes. Des flèches. Et des flèches. Ah ok. Bon. Bah, même moi je savais pas qu'il y avait ça. Donc, hop, on prend le téléporteur. Ensuite, ici. Là. Ensuite, là. Faut faire gaffe au foutu poulpe. Oh là 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 là. Donc voilà, comment je suis passé? Eh ben, c'est pas plus simple. Attendez, j'essaie de l'avoir l'autre là à côté. Voilà. Alors, je suis passé comme ça. En fait, j'ai pas utilisé la torche, j'ai fait ça. Voilà. Bon bah oui, je suis allé voir une vidéo sur internet pour voir comment passer ça. Enfin, voir surtout si j'avais rien oublié. Donc oui, j'ai un peu triché, mais bon.
Oh non, faut encore les rebattre. Putain. Est-ce que je peux les taper déjà? Putain, ils sont résistants quand même, hein, même avec l'épée niveau 4. Heureusement qu'il y a les flèches d'argent. Allô. Bon, maintenant je sais que c'est par en haut. Allez. Ah bah putain. Oui, mais c'est bon, putain, ils sont chiants quand ils nous redisent ça à chaque fois. Ah, enfin, je peux avancer dans ce temple maudit. Enfin, je peux avancer. Ouais, allez, je vais me reprendre une fée ou deux. Voilà. À ce moment-là, j'ai les 4 potions bleues. Bon, alors maintenant. Oh putain, c'était quoi ce bug de fou furieux là? Putain, j'ai cru que ça avait planté. Tadam, la côte de maille rouge. Elle t'assure une protection supérieure à la côte de maille bleue. Et voilà. Maintenant, on est rouge avec un chapeau violet. Non mais enfin, je peux continuer ce donjon parce que là, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus là, sérieusement. Là au moins je peux continuer et je suis full vie, 4 potions bleues. Voilà quoi. Alors. Bon, ça j'imagine bien que c'est pas super efficace sur nos amis les souris. Mais bon. Mais purée, enfin je peux continuer quoi. Ah ouais, ok. Hop hop hop, on tire la statue. Non 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 non. Voilà, toi tu restes là-bas. Pas que je sois totalement en face de lui, sinon il va me tuer. Ensuite. Hop. Voilà. Putain. Voilà. Allez, go. Ah bah putain, enfin. Ouais, attendez, attendez, attendez. Là, je fais une pause parce que j'ai des gros bugs monstrueux, quoi. Attendez, attendez, hein. Oh, voilà, on reprend. Désolé, hein. Mais là, mon ordi, il n'en pouvait plus, je crois. En même temps, je le comprends. Moi non plus, j'en en pouvais plus de ce donjon et j'en peux toujours pas. Donc, hop, les statues. Je me casse. En me faisant déglinguer, c'est pas grave. Ah. Allez hop hop hop, vite par en haut. Ah.
Et ensuite, on revoit nos amis, les têtes de dragon là. Ouais. Enfin bon. Oh non, putain, non, 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 non. Pas les machins laser là. Purée, en plus, ils pivotent à chaque fois. Oh non, oh mon dieu. Ouais, là, je crois qu'il faut vraiment céder de... Vite, 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 vite. Bon, toi, téléporteur de lapin, voilà. Ah, encore eux. C'est Scorn. Enfin, je crois que c'est Scorn, hein, ce boss. Il me semble, il a jamais changé de nom. Hein. Bon, faut que je fasse gaffe, parce que maintenant que j'ai plus de fées, faut que je fasse gaffe à ma vie. Et le truc, c'est que j'ai pas envie de gaspiller des potions, c'est ça le problème. Bon, là, on dirait qu'il n'y a rien. Enfin, du moins, je l'espère. Quatrième étage, on y arrive les enfants. Ah, il semblerait que le chemin soit par là. Si j'y arrive, ouais, c'est bon. Bon, là, on trace. Les taureaux avec les fourchettes A+. Pour moi, ils ont des fourchettes, hein. Bon, au moins, ce qui est bien avec ces mages là, c'est qu'ils restent toujours au même endroit quand ils apparaissent. Salaud. Ah putain, ça me rappelle Darkris quand il galérait sur Zelda 1, sur ces mages là. Bon bah, tant pis pour toi. Ah ouais, ok. Bon, alors déjà, je vais, comme on dit, déblayer la route. Ensuite, on fait un petit coup d'horloger. Merde. Vite. Ouf. Non, 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 stop. Et voilà. Bon, alors cette salle là, faut activer les torches le plus vite possible. Sinon, bah voilà. Ah ouais, putain, ok. C'est chaud. Ah bah le truc, c'est que j'ai pas envie de perdre toutes mes potions de magie là-dedans, quoi. Vite. Ah merde, mais je fais comment pour atteindre les seuls d'en bas? Oh mon dieu. Bon, attendez. Ouais, ok, c'est bon. Vite. Ouah. Roxor. Bon, ça l'a tué. Maintenant, faut que je fasse gaffe à ne pas me faire tuer. Ah, j'avoue que là, quelques fées, ça passerait franchement nickel. Mais je crois que je peux rêver. Ah bah voilà. Là, au moins, c'est déjà mieux. Même si le système marche pas toujours bien. Bon, alors là, franchement, c'est du foutage de gueule. Putain.
Ah non non là là. Là c'est soit je me fais tuer, soit j'utilise une potion. Je pense que c'est mieux la deuxième option. Hop. Oh non. Non, pas lui. Putain. Allez, à plus. Hein? Ça fait quoi? J'ai pas compris. Ah, ok, putain. Un rubis, merci. Alors là, là, si on tombe, je sais pas du tout où on atterrit, hein, par contre. Allez, 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 allez. Vite, 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 vite. Putain. Oh, le sixième étage. On est au sommet, on est au sommet. Oh, génial. J'espère que ces yeux-là, c'est pas le papillon. Ah ah, Aghanim. Ah ah ah, c'est merveilleux que vous soyez arrivé jusqu'ici. Je suis très heureux de vous revoir, mais comprenez bien que c'est notre dernière rencontre. Préparez-vous à mourir. Ah, ok, ok, ok. Bon, je pense que c'est pas trop compliqué. Il suffit de... Ouais, faut suivre, bah, surtout la grande ombre, là. Enfin bon, ça c'est... Enfin je dis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Putain, salaud, va. Non, non, non. Par pitié, pas de bug maintenant. Mince. C'est n'importe quoi. C'est tellement pas précis ce truc. Ouais, mais non. Je l'ai eu deux fois, yes. Allez, tiens, crève. Et voilà, Ganon. Non, vous en faites pas, on n'a pas à le tuer, hein. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Le voilà, ce salopio. Ah là là. Bon, une sauvegarde. Car on sait jamais. Mais ça je comprends jamais dans ce truc. À chaque fois, on quitte avec plein de cœurs. On fait sauvegarder, quitter, on revient, on n'a jamais tous les cœurs. C'est un truc de malade. Je sais jamais pourquoi. Vas-y, viens là, la fée. En plus que j'ai vraiment besoin de toi, là. Bon, c'est parti pour l'affrontement final, hein. Donc, flèche d'argent en main, on y va. Ah merde, mais je suis con, en fait. Bah ouais, je suis con, je peux pas remonter maintenant. Enfin, je crois pas. Oh là là. Si, je peux remonter. Ouf, bah franchement, il me manquerait plus que ça. Bon. Écoutez, on y va alors, hein, l'affrontement final. Ouais, bah avec des lags monstrueux comme ça. Je n'aurais jamais pensé qu'un gringalet comme vous puisse me causer autant de problèmes.
Je ne peux pas croire que vous ayez vaincu deux par deux fois mon alter ego, Aghanim, le sombre sorcier, mais je ne vous donnerai jamais la Triforce. Je vais vous détruire pour réaliser sans tarder mon rêve de conquête des mondes des ténèbres et de la lumière. Alors par contre, comment il marche déjà, je m'en souviens plus du tout. Bon, ok, pour l'instant il se téléporte en lançant sa fourche, je sais pas trop ce que c'est. Non, apparemment, ça c'est pas tout de suite. Les flèches d'argent, ça sera pas pour tout de suite. Bon, inutile de vous dire qu'il est très résistant, hein. Qu'il fait très très mal. Je pense que vous en doutez bien après tous ces ganons, hein. Oh putain. Arrête de téléporter, tu veux bien? Vous vous débrouillez pas mal, mais saurez-vous traverser cette technique secrète des ténèbres? En garde! Ah, je crois que c'est à ce moment-là. Ah non, c'est vrai, il va obscurcir la salle, ouais. Bon, par contre, comme on est sur émulation, on voit tout. Ah, maintenant de la flèche d'argent. Vite. Mince. Vite. Oula, ouais, il faut que je pense à me soigner. Surtout dans ce combat là, parce que... Vite. Mince, j'ai pas eu le temps de l'avoir. Ah mince, les rayons d'Excalibur lui font rien. Et voilà, Ganon, tu es mort. Je t'ai battu, j'ai sauvé Hyrule et le Dark World. Et au centre de la Triforce, bien évidemment. Ah ouais, cette musique est franchement excellente. Bienvenue, Link. Je suis l'essence de la Triforce. Le pouvoir d'or de la Triforce des dieux exauce les vœux de la personne qui la touche. Si une personne au cœur d'or la touche, tous ses bons vœux seront exaucés. Si une personne au cœur ténébreux la touche, elle exaucera ses vœux diaboliques. Plus le vœu est fort, plus puissante est l'expression de ce vœu par la Triforce. Ganon fit vœu de conquérir le monde. Ce vœu changea la terre d'or au monde des ténèbres. Ganon, ayant développé son pouvoir ici, pouvait conquérir le monde de la lumière. Mais tu as maintenant anéanti Ganon. Son monde des ténèbres va s'évanouir. La Triforce attend son nouveau possesseur. Son pouvoir d'or est entre tes mains. Maintenant, touche-la en faisant un vœu dans ton cœur. Ah, ça, c'est franchement épique, hein. Le retour du roi, château d'Hyrule. Et voilà, le roi d'Hyrule est revenu avec les filles et Zelda. Et voilà les soldats quoi ils ressemblent en temps normal. Hein. Le maître du sanctuaire. Au moment où il a été ressuscité, je crois. Ouais, exactement.
Sazrala regagne ses pénates, village Cocorico. Ah bah oui, Sazrala venait du village Cocorico, mais ils étaient exilés vers le temple. Les vautours du désert. Qu'est-ce qu'ils font les vautours? Regardez le voleur encore là. Petite peste, hein, un ami. C'est quoi, c'est les deux qui étaient piégés dans le monde de la lumière là? Enfin dans le Dark World? Ouais. Oh putain la gueule. Ton oncle convalescent, ta maison. Ah voilà, mon oncle est revenu. Je suis plus puissant que toi maintenant. Palme à vendre, cascade des auras. Bon, ça montre un peu tous les personnages qu'on a rencontrés, qui nous ont aidés. Hein. La sorcière et l'apprenti. Boutique magique. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Non, rien, bon. Les bûcherons jumeaux. Ils ont toujours pas coupé leur arbre. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait le flûtiste, il a qui était en train de jouer. Hein. Bon bah je crois que ça veut dire un peu les crédits tout ça. Vénus, reine des fées. Ah ouais, c'est la fée qui m'a augmenté mes armes. Bon, comme je disais, donc on peut dire que c'est les crédits, que c'est terminé, hein. Ah là là, voilà. Zelda, A Link to the Past est terminé, les amis. C'était franchement un super jeu. Moi, je l'ai toujours adoré, hein, même si là, il m'a vraiment fait chier pour le dernier épisode, mais bon. Ça n'en reste pas moins un très très bon jeu. J'espère que vous avez apprécié, hein, aussi. Tout comme moi, je l'ai apprécié, parce que franchement, ce jeu, c'est vraiment énorme. Beaucoup de gens vous diraient « Ouais, joue à Ocarina of Time pour un Zelda », mais moi, honnêtement, je vous recommande aussi celui-là. Je vous recommande fortement le Zelda A Link to the Past. Franchement, il est énorme. Pour moi, j'ai vraiment adoré. Et donc, voilà, hein, écoutez, un nouveau let's play de terminé et un nouveau let's play de commencer, comme on dit. Mais bon, ce sera ça. Mais bon, les nouveaux let's play, ce seront un petit peu pour plus tard. Ah là là, en tout cas, je suis vraiment content de l'avoir. Excalibur repose à nouveau pour toujours. Et voilà, je viens de reposer Excalibur. Et voilà. Bon, en fait, si, ça servait de crédit, hein, je crois. Ou pas en fait, je sais pas. Bon bah voilà, là c'est réellement terminé, hein. Donc merci encore d'être toujours plus nombreux à me suivre. Ça me fait, bah, comme toujours, extrêmement plaisir. D'ailleurs que là, comme je l'ai dit, le nombre d'abonnés m'importe peu, mais je crois que ce week-end j'en ai gagné pas mal et je vous remercie encore. Parce que c'est vraiment sympa de voir qu'il y a autant de gens qui me suivent et qui aiment quoi ce que je fais. C'est franchement pas mal du tout. Hein. Je vous remercie je vous remercierai jamais assez pour ça. Parce que bon, même si je fais d'abord les vidéos pour moi, bah je les fais quand même pour vous. Et puis et d'après ce que je vois, bah vous aimez bien. Donc ça me rend heureux quoi. Enfin je veux dire, je ne fais pas ça pour rien, donc c'est quand même génial, donc je vous remercierai encore, encore et encore. Bon, ben, qu'est-ce que je peux dire de plus maintenant? À part que... Bon, bah, dans la vidéo bilan, vous avez vu les prochains let's play, hein. J'ai déjà commencé Live Alive 2 épisodes. J'ai Megaman 1, Yoshi Island, Donkey Kong Country 2.
J'ai pas mal de projets en tête, hein. Jusqu'à ce que j'aie mon Dazzle, j'ai pas mal de projets en tête. Donc vous en faites pas, hein. Vous aurez encore des let's play pendant un bon moment. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Un petit coup de pub, je sais pas. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, bah toujours merci, hein, comme toujours, merci. Ensuite, que puis-je dire de plus encore? Bon, Dark Chris, on ne présente plus maintenant. Hein. Voilà, il fait des vidéos découvertes de Skyrim, que je vous recommande grandement. Red Reda, il continue son, bah, ses trois let's play. Pokémon Or, Mario Bros et Sonic. Bon, là, il est à l'école, donc il fait moins de vidéos, mais c'est normal, hein, je le comprends. Qui je peux dire d'autre? The Best Geoffrey, encore une fois, qui fait Ocarina of Time sur clavier. Franchement, allez le voir parce que c'est vraiment. Je respecte vraiment ce qu'il fait, hein, parce que vraiment, jouer à Ocarina of Time au clavier, c'est dingue. Hein. Je vous promets que c'est abusé. Hein. Ouais, peut-être certains diront, ouais, c'est trop facile, mais non, je vous promets que c'est pas si évident que ça. Hein. Jouer au clavier Ocarina of Time, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Qui a-t-il d'autre encore? Ouais, 69 Zelos aussi qui fait des bons let's play, des walkthroughs. Sa parodie de la virgule débile est vraiment énorme. Allez voir Nitrox qui fait des vidéos sur Zelda Minish Cap. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ouais, il fait des vidéos sur Minish Cap, des vidéos sur. Comment ça s'appelle? Minecraft. Yugwizi, c'est pareil. Vidéo sur Minecraft. Excusez-moi. Ah, regardez, on a les niveaux. C'est quoi? C'est combien de fois je suis mort dedans? Moi, ça c'est possible. Hein. Ça c'est vraiment, c'est sûrement vrai. Hein. Total jeu 20. Bon, alors c'est le total de fois que j'ai joué. Je sais pas du tout. Donc bon, en gros, je vous recommande d'aller voir les gens de Massive Bucks, voilà, pour faire plus facilement. Bah voilà, hein, Zelda Link to the Past est réellement et pour de bon terminé. Bon, alors je suis désolé pour la partie entre cette vidéo, enfin entre cette partie et le début de la vidéo, où ça bug complètement, mais j'y peux rien, ça c'est vraiment à cause de mon ordi. Voilà, tout le monde va se quitter sur cet écran de fin. Merci encore une fois et toujours d'être toujours plus nombreux et je vous remercierai encore une fois jamais assez pour ça. Et je vous dis bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt pour la suite des Let's Play. Allez, bye bye tout le monde.